Eh bien salut à tous, c'est UPS05, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la partie 2 d'un plan diabolique. Donc comme vous le savez rêvé, c'est une petite série que je me suis fait sur Just Cause 3. Donc on se commandait un petit hélicoptère, on se commandait celui-ci. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est mon préféré. Donc le réalisme d'Avantchasse qui nous livre un hélicoptère, donc ça vous le connaissez, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, sur l'ancienne chaîne, bien sûr. Il va falloir que peut-être que je vous la refasse sur cette chaîne, peut-être ou peut-être pas. Tout dépendra de mon envie. Par contre ça c'est pas vraiment, on s'en fout un peu. Donc la dernière fois que vous vous souvenez, donc là je vais baisser, attendez, je vais encore baisser un peu le son. Voilà, encore un peu trop fort. Vous verrez peut-être le dialogue, ouais, le dialogue on va le baisser là et lui on va le baisser là également. Donc voilà, donc on baisse le son un peu du jeu parce que dans l'épisode 1 j'ai fait la gaffe de laisser le son à fond et donc vous m'entendez pas très très bien. Donc là dans cet épisode on va se concentrer un peu plus sur des stations de service. Donc les stations de service... Il doit en avoir une dans la capitale, deux dans la capitale là-bas. On va se concentrer. En fait, les plans diaboliques, c'est un plan qu'on va. Voilà, en fait, c'est pas vraiment spécialisé en quelque chose. J'ai une station de service, mais ça peut être le pont ici également. Donc, c'est. Après, voilà, je fais mes épisodes à moi. Vous pouvez me suggérer des commentaires, me dire à. Détruire des trains, des trucs comme ça, vous voyez. Là, on va se concentrer un peu sur ce pont d'abord avant les stations de service. Donc, un plan diabolique, c'est-à-dire qu'on a un petit plan derrière la tête et on veut faire le plus de dommages possible. Donc là vous voyez une voiture bleue, tac pouf, là déjà il y en a qui sont coincés sur ce pont ici, vous voyez, il y en a qui essayent de s'échapper, voilà, ils peuvent plus s'échapper, lui il a peur, du coup il va se suicider là bas parce que là il va essayer de s'échapper ici mais ils peuvent pas, et voilà, il a causé la mort de beaucoup de personnes celui-ci. Donc là on détruit également les parties du pont, car s'il y a un petit stunter on sait jamais. Non quand même, on n'est pas sur GTA, on est sur Just Cause. Mais bon, ils sont un peu fous sur Just Cause, les PNJ, ils sont encore plus fous que sur GTA. Donc là, vous voyez, on a une personne. Deux personnes, regardez, on en a un avec sa moto là-bas. Donc là, ces personnes-là, elles ont peur, elles sont affolées, elles se disent, waouh, le pont s'est effondré, j'ai peur. Tac, boum. Le pont a subi encore plus de dommages, regardez. Bon. Comment se fait-il que le pont tient encore debout? Comment se fait-il? Alors là il a vu craquement de partout, au point là il s'est vraiment bien affaibli. Et là voilà. Lui il n'existe plus, par contre lui, le pont est vraiment très très endommagé. Mais vraiment super super endommagé. Donc là le pont, est-ce qu'il peut... Non, il tiendra plus. Vous voyez. Vous voyez un peu les dommages jusqu'à où ils vont. Donc là cette personne est totalement affolée, vous voyez là elle est totalement affolée, elle est sur un pont, le pont est pété. Donc là elle se dit, là, elle va se dire waouh, on va la sauver, mais non. Non, on est vraiment sadique jusqu'au bout, c'est vraiment un plan diabolique jusqu'au bout là. Donc là pour pas qu'elle fuit, on lui pique sa bagnole. Et on la jette, sa bagnole. Comme ça au moins il sait que maintenant il est encore plus pauvre que ce qu'il était. Voilà. Là il s'est dit il va venir me récupérer et là non. Là on lui dit maintenant tu peux aller goûter à l'eau. Voilà. Vous voyez, voilà, je vous ai expliqué un peu à quoi consiste le plan diabolique. Voilà, vous voyez, vous faites espérer une personne mais en fait voilà. Ou ça peut pas être une personne, ça peut être aussi genre vous tirez comme ça, vous voyez en rafale et là ils croient tous que c'est une pluie de météore ou comme ça, vous voyez. Bon il faut faire imaginer l'imagination aussi. Faut que l'imagination soit là parce que sinon. Donc là. Station service, donc là vous voyez jusque là tout banal. Quelle est la situation? Répondez. Et là, pouf, qu'est-ce qui s'est passé à station service? A pété toute seule. Donc là les personnes s'en foutent, elles se disent merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, une super belle explosion. Voilà. La station service elle a fait des dégâts. La deuxième station service qui est tout là-bas. Donc là on est à la capitale là, si vous vous rappelez pas. Donc ça peut être aussi, regardez, les personnes dans ce chantier là, vous voyez, il y a des personnes à l'intérieur qui travaillent, regardez, on les voit. Ouais, là il y a deux personnes qui travaillent, là il y a des personnes qui font un plan. Là vous pouvez dire, ben non, le travail est fini pour vous aujourd'hui. Et là vous les mitraillez, vous... voilà. Voilà, le travail est fini pour vous. Parce que dommage que la grue on peut pas la détruire, j'ai déjà essayé, la grue, ça sert à rien, elle peut pas tomber.
Donc là, cette station service, on va faire encore mieux. On va se mettre au-dessus comme ça. Comme ça, tac. Vous voyez, là déjà, il voit une hélico sur l'eau dessus. Donc là, il se dit, ouais, banal. Donc là, vous voyez, et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'hélico va tomber tout seul. Vous voyez, et boum, station service. Merde, j'ai raté. Oh non, j'ai raté. Oh putain, non, j'ai voulu faire un truc trop beau. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, ils ont vu l'hélico s'écraser. Ils sont du merde. Oh, on a risqué le pire. On a vraiment risqué le pire. Et là, cet automobiliste a fait la plus grande erreur de toute sa vie. Elle a voulu faire le plein et malheureusement, elle sait pas faire le plein. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on sait pas faire un plein. Regardez-lui, regardez-lui. Holy shit. Donc là vous voyez, donc si on va retrouver la personne tout là-bas là que j'ai balancé dans ce service, à mon avis, voilà, elle est là. Est-ce qu'elle est toujours entière? Est-ce qu'il est toujours entier même? Ouais non, il a l'air d'être toujours entier mais bon, il a quand même fait beaucoup de dégâts. Donc là on peut récupérer une balise pour demander un hélico. Donc on va se TP. Non écoutez, vous savez ce qu'on va faire? J'ai encore mieux que ça. Ouais, on va se TP quelque part, on va se mettre où est-ce qu'il peut avoir un train? Là, il y a un train là. On va se TP un peu vers là. Déplacement rapide, voilà, on va se TP. Donc là, j'ai compris ce que vous disiez. Vous disiez, ah, l'épisode 2 d'un plan de briques sort. Est-ce qu'il va avoir une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 et des trucs comme ça? Ben, la réponse est oui. La réponse est oui. Black Ops 3, de toute façon, c'est. J'ai prévu normalement jusqu'à 10 épisodes, comme à ce moment-là, chaîne. Voilà, il y a 10 épisodes qui arriveront. Et le zombie également, mais le zombie pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Mais il va arriver, il va arriver. Donc là, voilà, nous avons le pont. Là-bas. Et nous allons faire dérailler le train. Donc là, vous voyez. On se dirige vers là-bas. Donc il y a aussi les défis. Les défis aussi vont également arriver. Ça c'est à vous de me les proposer. Je suis toujours à votre écoute. Vous pouvez vous dire, Vipère est toujours à mon écoute. Tout ce que je lui demanderai, eh bien, il le fera. Donc là, jusque là, le pont, vous voyez, il est normal. Ils peuvent passer tranquille. Regardez, je vais vous faire un test. Vous allez voir, il va passer tranquille le train. Bon, voilà, si j'aurais fait un test, il serait passé tranquille. Mais là, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas passer tranquille. Et nous savons tous ce qui va se passer. Voilà, nous savons tous ce qui va se passer avec celui-ci. Ah ouais, il se tente quand même. Hein. Enfoiré. Donc là, le pire, c'est les gens qui sont en bas. Vous voyez, là, il y a des gens qui sont en bas qui se disent merde. Alors, le pont il s'est effondré, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça fait un corbeau, c'est que ça va me charcuter à moi après. Ah, le pont il a pas tenu là. Ce que j'ai voulu faire n'a pas tenu. Oh, c'est pas grave, regardez, là il y a encore du pont ici. Là il y a encore du pont. Tac. Je sens que ces voitures voulaient me tuer quand même. Top tac. Là vous voyez. Là, le train il peut dérailler ici là quand même. Il lui manque une petite partie quand même. Là ça va être beau, regardez. Le train de là-bas ça va être plus dur à regarder puisque d'après ce qu'on voit, c'est qu'il va se prendre quelque chose en face.
Il a continué. Holy shit, regardez-moi ces dégâts. Regardez-moi ce plan diabolique. Regardez-moi au milieu là-haut tout ce qu'il y a. Après, il y a mon train de mon côté qui va arriver. Lui aussi, il va faire un massacre vu la voie comment elle est. Oh con. Là, les autres oubliés, ils sont affolés là. Ils se disent merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, boah, ça, c'est encore pire. Mon point est en train de se casser, ça me fait bouger dans tous les sens. Il est en train de se briser en mille morceaux. Voilà, je sais que vous m'avez demandé la dernière fois ce que ça faisait si on attire plusieurs affiliés qui vont tomber. Il y a mon tour qui arrive. Oui, il est arrivé. Holy shit. De toute beauté. Alors là, il y a un petit souci avec le repos là. De plus en plus de soucis. Qu'allons-nous faire? Eh ben moi j'ai une astuce. Avec cette tuile, nous allons nous catapulter vers là-bas. Chou. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Au revoir. Donc là, ça va être encore plus beau. Parce que là, on a vraiment pété le pont jusqu'au bout. Oh, là, ça va être magnifique. Magnifique. Là, vous voyez, là, le pont, il a bien morflé ici. Ah ouais, il penche. Foiré, ouais. Donc là, il est tombé, ce pont, là. Ok, bon, on attend toujours les prochains trains. Nous, pour l'instant, on va se mettre sur celui-ci. Là, on va se caler tranquillement. Allez. Oh, il a poussé le pont. Oh, il a explosé le pont, lui. Holy shit. Magnifique. Et celle-là. Ok. Bon. On a un petit souci avec notre pont maintenant qui est bien bien éclaté là. Regardez comme il est en travers. Là il penche de ce côté alors qu'il penche de l'autre côté. Et ça bouge encore, non? Non, je sais pas du tout. Oh là, il y a un beau train qui arrive. Donc lui bien sûr il sort dans le vide. Oh. Oh, il s'est pris le mur de face. Ça doit être affolant pour les personnes qui sont en bas là, dans la voiture, qui voient une train sauter comme ça sur la route. Tu sais, prier celui-ci là, il est arraché. Oh, moi ça bouge. Ça sent le pont qui va s'effondrer. Oh là là, le pont comme il penche, vous voyez? Oh, moi ça, le pont comme il a bougé. Il va s'effondrer là, il va plus tenir. Ça bouge de plus en plus. Ça bouge de plus en plus, ça va s'effondrer. Moi je fais contrepoids, moi je suis toujours sur mon petit truc là qui fait contrepoids. Le prochain train qui arrive de ce sens là, il va tout m'arracher le pont. Là le pont il va s'effondrer s'il y a un train qui arrive. Ça va être juste magnifique, on a hâte de voir ça. À moins que le train il arrive de l'autre côté encore. Ok, il arrive là. Regardez, 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 regardez comme ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Il va sauter sur mon pont. Oh, oh, il m'a éclaté encore le pont, non? Je sais pas, mais là le prochain il va faire mal. Vu ce qu'il y a là-bas, il va faire mal lui.
Il y a encore des gens sur la route là qui regardent. Oh, lui avec sa voiture, regarde sa voiture. Wouah, elle a été un peu broyée. Waouh, comment elle a été broyée celle-là. Et moi mon pont. Oh là là, comment il penche. C'est la fin de mon pont. Oh, what the fuck, comme il penche. Bon, il a survécu longtemps quand même. Oh, putain. Quoi qu'on le voit bouger à vue d'œil. Ça y est. Adieu le pont. Ouais, il aurait survécu longtemps. Et ouais, il y avait ces deux-là qui penchaient de ce côté et les deux autres qui penchaient de l'autre côté. Il pouvait plus tenir ce pont. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà ce qu'on va faire. Que vous l'avez compris avant de mettre fin à la vidéo, ce que nous allons faire, on attend le prochain train là-bas. Les gars ils sont au maximum quand même. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique quand même. On peut se le dire. Bon. Où es-tu mon petit train? Bon, je vais attendre qu'il arrive. Oh, ça a été éclaté. Il arrive, il arrive. Oh, allez, comme ça va être beau ce que je vais faire. Et en vol. Waouh. Bah, ça a pas vraiment marché comme je le souhaitais. Mais bon, c'est pas grave. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup de dégâts. On voit tous les dégâts qu'il y a eu. Ça a causé la catastrophe sur cette piste nationale. Beaucoup de gens étaient heureux, voulaient partir à la ville tranquille, mais là on dirait une petite barricade. Ah oh, ouais, ça fait une petite barricade de train. On n'avait pas le droit de passer par ici. Non, voilà. Donc nous, on va se tirer à bord de ce petit scooter. Allez, on se casse. Ah. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 2. Prochainement, l'épisode 3 qui arrivera. Donc ça, c'est une série qu'on va continuer assez longtemps. C'est une petite série comme les défis et tout qu'on aime bien, voilà. Donc voilà, on pourra même relier un défi avec un... avec un épisode d'un plan diabolique, ça peut le faire. Après, ça dépend si le défi est en rapport avec le plan diabolique. C'est à vous de me le dire dans les commentaires, en message privé, où vous le souhaitez. Vous me le dites, je réponds toujours. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Nous, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.